C'est bon, là, on va y aller. Mais là, tu dis à Carl de se tenir loin de Juliette. Ouais, mais je le sens pas, ce gars-là. Hein? Ah, ça sonne à la porte, ça doit être Juliette. Rentre! Oui, oui, à tantôt. Je t'aime. Oh, hey, finalement, ce soir, on sort dans un bar avec Marco Picard. Mais je suis tannée, tu changes toujours les plans. Oh là. Passer la soirée ensemble vu que les deux autres sont trop occupés à se bouffer les habitants. On s'en va chez toi? Ciao. Juliette, on s'en va, tu t'en viens? Non! Regarde, s'il y a un problème, texte-moi, c'est bon? Mais il n'y en aura pas de problème! Mais non, il n'y en aura pas de problème. Ça va te faire planer. Allô? Oui, c'est beau là, à Dorcy, oui. Oui, bonne nuit, madame. Oh, c'est Carl. Marco, dépêche-toi. Vite, faut aller vite, Juliette. Habille-toi, vite. Je suis entrée dans la pièce sans qu'elle me voie. Elle, attachée par une laisse au piano droit. J'ai voulu prouver ma foi en une force suprême. J'ai laissé glisser mes doigts et lui ai crié je t'aime. Les notes du piano droit suivaient sa voix comme un corps sous la secousse des jours trop froids. Je lui ai laissé goûter la sainte crème, saupoudrée de jeune joie, de sucre terre. Devant la tiédeur des femmes, du mois de mai, jamais plus je ne toucherai aux jolies filles. L'année reste. Barbara reste immobile. Barbara reste immobile.
reste immobile. Barbara reste immobile. Barbara reste immobile.